لا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Je vous ai promis la dernière fois de parler du mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Zaynab bint Jahsh. Bien que ça soit un peu trop tard, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec Zaynab avant la bataille de Bani al-Mustaliq et avant l'Ahzab. Mais j'ai vu que c'est très important de parler de ce mariage-là. Et en plus, Sourat al-Ahzab qui parle de la bataille de l'Khandaq, de la bataille de la tranchée, il parle également de ce mariage-là. Et pour répondre à certains calomniateurs qui ont touché à la réputation du prophète sallallahu alayhi wa sallam en se basant sur cette histoire-là. Comment s'est effectué ce mariage? Comment ce mariage a eu lieu? On sait que Zayd ibn Haritha, il a vécu chez Khadija, puis il a vécu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand le père Haritha est venu pour récupérer son fils, parce que Zayd, on a parlé de ça au début de la sira, qu'il a été pris lors des guerres tribales. Ils l'ont pris comme esclave. Et c'est Khadija qui l'a acheté et il l'a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Haritha, son père, il le cherchait et puis il a su qu'il était à la Mecque et il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné le choix à Zayd. Il lui a dit, veux-tu partir avec ton père ou rester avec moi? Et Zayd, il a choisi être avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé jusqu'à Al-Ka'ba. Il emmena Zayd jusqu'à Al-Ka'ba. Il appela les gens, il a dit aux gens, écoutez-moi, Zayd est mon fils, il mérite et je l'hérite. Ça veut dire qu'il l'adopta comme fils. Ça, c'est avant que l'islam n'interdise la filiation par adoption. Il a vécu dans la maisonnée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour casser une des habitudes des Arabes, c'était la noblesse héréditaire. Il se vante d'appartenir à Bani Hashim, à Bani Abdi Manaf, ou à telle tribu arabe, telle Qurayshite, etc. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu casser ça et il ordonna qu'on marie Zayd avec Zaynab. Zaynab, c'est une pure Quraishite. Zaynab, bintu Umayma, bintu Abd al-Muttalib. C'est-à-dire qu'elle et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont le même grand-père. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu casser le fait de se vanter, cette fierté, le fait de se vanter qu'on appartient à tel clan ou à telle famille. Et il maria Zayd ibn Haritha avec Zaynab bint Jahsh. Mais Zaynab bint Jahsh, il n'a pas voulu être avec Zayd, mais puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ordonna, a voulu qu'elle se marie avec lui, elle accepta, il a voulu obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Zayd ne cesse de se plaindre auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit que Zaynab, il ne montre aucune affection, aucun amour, et chaque fois il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se plaindre. Il lui dit, il faut que je divorce. Et Zaynab, déjà, il a un caractère résolu, il est dur par son comportement. À chaque fois, il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en ce moment-là, pendant les fois où Zayd vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah, il informa son envoyé qu'il va se marier avec Zaynab bint Jahsh. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va se marier avec la femme de son fils adoptif. On va parler pourquoi.
Et il le fit savoir, pas par la révélation, mais pas par le Coran, mais juste il a fait savoir au professeur Salim ceci. Et le professeur Salim n'a pas voulu divulguer ça par pudeur. Et quand Zayd il est venu le voir pour se plaindre auprès de lui, comme il l'a fait plusieurs fois, le professeur Salim lui a dit Ittaqillah wa amsik alayka zawjak. Crains Allah et garde pour toi ton épouse. Il n'a pas montré ce qu'Allah lui a fait savoir. Et le prophète sallam l'a senti une certaine réticence par ce qu'Allah l'a informé. Il n'a pas voulu parce qu'il sait que selon la tradition des Quraysh et des Arabes, ce n'est pas bien que la personne il se marie avec la fille de son fils adoptif. Après ceci, qu'est-ce qui s'est passé? Allah, il révéla, il a fait descendre la révélation au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui reproche le fait de montrer un certain recul et ne pas divulguer ce qu'il lui a fait savoir. Et il ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de séparer entre Zaynab et Zayd ibn Haritha radiallahu anhuma, et il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam de se marier avec Zaynab bint Jahsh, même si les gens disent ce qu'ils disent. Pourquoi? Pour couper à la racine cette mauvaise habitude qui est la filiation par adoption. De dire tel est mon fils alors qu'il n'est pas ton fils. D'accord? Donc pour couper à la racine, et le premier qui doit montrer l'exemple, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans sourate Ahzab: وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ. Quand tu disais à celui qu'Allah avait comblé de bienfaits tout comme toi-même l'avais comblé, ça veut dire Zayd, garde pour toi ton épouse et crains Allah, et tu cachais en ton âme qu'Allah allait rendre au public, tu craignais les gens, et c'est Allah qui est plus digne de ta crainte. Anas ibn Malik radiallahu anhu a dit: si l'envoyé d'Allah pouvait cacher quelque chose de la révélation, il cacherait ce verset-là. Hadith est rapporté par Al-Bukhari. Donc le prophète sallam n'a rien caché de la révélation. Il n'y a pas de science profonde, de science extérieure, comme disent les soufis, etc. Non. La révélation claire et nette, et le prophète sallam n'a rien caché de la révélation. Aïcha radiallahu anha, il a dit: celui qui prétend que le prophète sallam a caché quelque chose de la révélation, il est un grand menteur. La suite du verset, les versets. فلما قضى زيد منها وترى زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وترى وكان امر الله مفعولا. Puis quand Zayd eut cessé toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leur fils adoptif. Quand ceci cesse toute relation avec elle, le commandement d'Allah doit être exécuté. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. Nul grief à faire au prophète en ce qu'Allah lui a imposé, selon sa règle à l'égard des gens révolus, le commandement d'Allah est un décret inéluctable. الذين يبلغون رسالات الله يخشونه ولا يخشون الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. Ceux qui communiquent les messages d'Allah le craignent et ne redoutent nul autre qu'Allah, et Allah suffit pour tenir le compte de tout. Donc, quand Zayd il cessa toute relation avec Zaynab bint Jahsh, le prophète sallam l'envoya, il envoya Zayd chez elle pour lui dire que le prophète te demande au mariage. Et Zayd, il est rentré chez Zaynab et il la trouva en train de mettre la levure dans la pâte. Il a dit: quand je l'ai vu, il m'était étrangère. Ça y est, depuis qu'Allah il révéla ces versets, il a dit: c'est une autre femme. Il a dit: j'ai même pas osé la parler. J'ai tourné le dos et je lui ai dit que le prophète, l'envoyé d'Allah, il te demande. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: ما كان محمد
أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. محمد n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes, Allah est omniscient. Donc c'est pour couper à la racine. Si par exemple on ne sait jamais, si les Arabes ils disent que Zayd est le fils de Muhammad, peut-être qu'ils vont glorifier et même diviniser Zayd ibn Haritha. Donc c'était des raisons bien précises pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a fait. Donc ça c'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah subhanahu wa ta'ala a marié le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Zainab bint Jahsh pour casser cette mauvaise coutume. Donc c'est une raison religieuse. Donc à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mariait avec une femme, c'était pour une raison. Soit une raison religieuse, soit économique, soit sociale, soit politique. C'était ça. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec plusieurs femmes. Il s'est marié avec Zainab bint Jahsh, c'était pour casser cette coutume. D'accord. Il s'est marié avec Aïcha. Aïcha, il a une forte mémoire, il est très intelligent. Donc, ce qui se passe entre le mari et la femme, c'est Aïcha. Aïcha, il prend la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il y a des choses que les autres compagnons, les hommes, ne peuvent pas les prendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf la femme qui vit avec son mari qui peut. Donc tout ce qui concerne les règles, tout ce qui concerne les femmes, la relation du mari avec sa femme, c'est Aïcha qui nous a rapporté ça. Et c'est Umm Salama aussi. Donc c'est l'une des raisons pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec Aïcha. Et autre chose, c'est pour rapprocher Abu Bakr et pour montrer aux gens le mérite de Abu Bakr et pour aussi sous-entendre que Abu Bakr il est le premier calife. Et il s'est marié avec Hafsa qui est la fille de Omar ibn Khattab pour montrer que Omar doit être le deuxième calife. Pour déjà laisser sa porte ouverte pour Omar et pour Abu Bakr, quand Abu Bakr il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il ne le trouve pas, il a le droit de rentrer chez lui. Ça veut dire qu'il privilégie ces deux grands hommes, Abu Bakr et Omar. Et il a donné Fatima à Ali et il a donné Ruqayya à Othman. C'est pour montrer que c'est pour privilégier ces hommes-là et que ces quatre-là qui sont dignes d'avoir la khilafa après lui. D'accord. Donc c'est l'une des raisons. Il s'est marié avec Jouairia et on a parlé de la bataille de Bani al-Mustaliq. Quand il s'est marié avec Jouairia, les compagnons ils ont libéré tous les proches parents de Jouairia. Ils ont dit il ne convient pas qu'on garde en captivité les parents de la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'était une autre raison pour ramener la tribu de Bani al-Mustaliq vers lui. D'accord. Donc toujours Umm Salama aussi, pour montrer le mérite de Abu Salama. Umm Salama, il a souffert, il est allé en Abyssinie, puis il a fait la deuxième émigration vers Médine, et il n'avait personne quand son mari est mort, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, s'est engagé, et il s'est marié avec elle. Umm Habiba aussi, la fille de Abu Sufyan, elle était, malgré son haut rang, malgré le fait qu'elle soit la fille du chef incontestable de la Mecque, elle a embrassé l'islam, et il a accepté la souffrance, la faim et tout, et il a émigré vers l'Abyssinie, et le prophète sallam pour ne pas. Et son mari, il était mort en Abyssinie, le prophète sallam il a demandé au mariage pour montrer son mérite et pour aussi un peu rapproché vers lui, Abu Sufyan, qui était son ennemi. Parce que quand Abu Sufyan, il a su que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec Umm Habiba, il a dit, c'était Mohammed, c'est un homme. C'est un homme qui mérite le respect. Bien qu'il soit son ennemi, il a dit, c'est un homme. D'accord. Donc c'est toujours pour une raison précise. Bah, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec plus que quatre femmes. Allah l'a privilégié. Il l'a privilégié. Allah il a donné un privilège à Isa alayhi salam de ressusciter les morts. Pourquoi nous ne contestons pas ça, nous disons non, si on doit ressusciter les morts, nous aussi on doit guérir les lépreux. Non, c'est un privilège qu'a donné Allah à Isa, comme le bâton qu'il a donné à Moussa. Et il a donné ce privilège au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il appartient au prophète, ce qui n'appartient pas au commun des gens, parce que leur valeur, ils ont un rang élevé. Bon, ça concernant le mariage.
du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Zaynab. Et beaucoup de rapporteurs de Sirah, ils ont entaché la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec des fausses histoires, surtout concernant cette histoire du mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Zaynab. Et tous les orientalistes et beaucoup d'ennemis d'islam, ils touchent toujours, quand ils veulent casser l'islam, ils touchent toujours à cette histoire. Et parce que, je sais pas s'il y a encore, ça c'est un exemple, par exemple, c'est un exemple, comme ça pour vous mettre en garde de ne pas acheter n'importe quoi. Voilà, c'est l'histoire de son mariage. Regarde ce qu'il dit l'auteur, je ne vais pas évoquer son nom. Je vais commencer par là. Or Zayd était sorti et Zaynab, qui n'attendait aucune visite, n'était vêtue. Attends. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendit chez Zayd pour s'entretenir avec lui d'une certaine affaire. Or Zayd était sorti et Zaynab, qui n'attendait aucune visite, n'était vêtue que d'une tenue d'intérieur. Une robe légère. Lorsqu'on vint lui dire que le prophète était à la porte, elle se leva précipitamment et, sans prendre le temps de se changer, elle alla l'accueillir et l'invita à attendre l'arrivée de Zayd. « Il n'est pas là, envoyé d'Allah, envoyé de Dieu, dit-elle. Mais entre donc, que mon père et ma mère soient à rançon. » Tandis qu'elle se tenait dans l'embrasure de la porte, rayonnante de la joie que lui causait cette visite, le prophète fut frappé par sa beauté et fortement ému, il se détourna en murmurant quelques paroles qu'il ne put distinguer. Elle saisit cependant les derniers mots qu'il prononçait en commençant à s'éloigner. Gloire à Allah, à Dieu le magnifique, gloire à celui qui dispose du cœur des hommes. Donc, il touche. Le prophète, s'il aimait les femmes et c'était les femmes qu'il désire, il se serait marié. Alors qu'avec plusieurs femmes, alors qu'il avait l'âge de 25 ans, alors qu'il était très jeune. Alors qu'on sait que quand il avait 25 ans, il ne s'est marié qu'avec une seule femme, avec Khadija. Et il a resté avec elle jusqu'à ce qu'elle est morte. Et ce n'est qu'après qu'il se maria avec Saouda bint Zam'a et Aïcha et les autres. Donc, ce n'est qu'après avoir atteint plus de 50 ans, qu'il s'est marié avec plusieurs femmes. Normalement, c'est quand on est jeune qu'on désire les femmes, etc. Donc, ce n'était pas ça le but du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, je vous mets en garde contre des choses comme ça. Et à chaque fois que vous... il ne faut pas à chaque fois rentrer dans une librairie, la vie du prophète, vous prenez n'importe quel livre et vous gobez, ils vous font gober n'importe quoi. Donc, il faut se méfier, il faut se baser sur les versions authentiques. Maintenant, revenons à la bataille de... La bataille d'Al Khandaq, l'Ahzab, s'est terminée avec le triomphe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après cette bataille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une phrase. Il a dit, maintenant, nous les attaquerons et ils ne nous attaqueront pas. Ça y est maintenant, le djihad s'est transformé de la défense à un djihad de l'attaque. Il a dit, c'est nous maintenant qui vont attaquer Quraysh, c'est nous maintenant qui vont attaquer les autres tribus. Et il a dit ça après la déception de Quraysh, de Ghatafan et les autres. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il décida après de punir les tribus qui ont participé à la campagne de la tranchée. Des expéditions furent envoyées dans ce sens, pour affermir l'affaire de l'islam bien sûr. Et parmi ces expéditions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé un groupe de moins de 10 hommes, dans le but de tuer un seul homme qui s'appelle Salam ibn Abi al-Huqayq. Salam ibn Abi al-Huqayq, c'était un juif et il faisait partie de ceux qui ont rallié les Ahzab, les autres tribus contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il faisait beaucoup du tort au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'insultait beaucoup. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dépêcha moins de 10 hommes. À leur tête, Abdullah ibn Atik. Et c'est Abdullah ibn Atik, il alla tout seul, il rentra tout seul dans la forteresse, et il le tua la nuit. Et il est rentré voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est une longue histoire, bon, c'était une opération spéciale, opération commando, rapportée par le Bukhari, hadith 4038-4039. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il envoya
30 cavaliers, à leur tête Muhammad ibn Muslima, radiallahu anhu, vers une région qui s'appelle Al-Qarta. Dans la région, dans la terre de Najd, on sait que la terre, la plaine de Najd, il se trouve à l'est de Médine, d'une distance d'à peu près 7 nuits de Médine. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, ils se cachaient le jour, et la nuit, ils marchaient la nuit. Et dès que les gens de la tribu, cette tribu s'appelle bon Bani Bakr ibn Kilab, dès qu'ils les virent, ils prirent la fuite. Ils n'ont pas pu les... Ils prirent la fuite et Mohammed ibn Muslim, il parvint à tuer 10 de leurs hommes et il prit un grand butin, 50 chameaux et 3000 chèvres et moutons. Il n'a pas pris les femmes, il n'a pas pris les enfants conformément aux instructions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À mi-chemin, qu'est-ce qui s'est passé? À mi-chemin, ils trouvèrent un homme qui dormait et ils l'ont emprisonné. Ils l'ont emprisonné et l'ont emmené à Médine. Et le professeur sallam s'est réjoui de la réussite de cette expédition et ils lui ont dit au envoyé d'Allah, on a pris un homme. Et ils l'ont ramené au professeur sallam. Il a dit, savez-vous qui avez-vous pris en captivité? C'est Soumamah ibn Athal. C'est l'un des grands chefs de Bani Hanifa. C'est les tribus dans la région de Yamama. C'est encore plus à l'est de Médine. C'est même proche du golfe arabique. C'est Soumamah ibn Athal, l'un des grands notables. Et il était l'ennemi des musulmans. La tribu de Bani Hanifa était l'ennemi des musulmans. Et il s'apprêtait à tuer, il préparait pour tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demanda qu'on l'attache à l'une des colonnes de la mosquée. Ils l'ont attaché à l'une des colonnes de la mosquée. Il a dit au compagnon, traitez-le bien. Donnez-lui à manger, tout ce qu'il demande. Et ils l'ont bien traité, etc. Puis chaque matin, chaque fois, le professeur sallam, il le voit, il va le voir, il lui dit, quoi de neuf pour Soumamah? Qu'est-ce que tu as de nouveau à me dire? Il a dit, et chaque fois, Soumamah ibn Athal, il lui dit, moi je n'ai que du bien. Si tu me tues, le prix de mon sang coûte très cher. 100 000 hommes, Bani Hanifa, ils vont se soulever si tu me tues. Et si tu me pardonnes, tu as pardonné à quelqu'un de reconnaissant. Et si c'est l'argent que tu aspires, tu veux de l'argent, demande-en ce que tu veux. Et le prophète sallam ne le répond même pas, il le laisse. Puis le lendemain, la même chose. Quoi de neuf au soumame? Bien sûr, c'était exprès que le prophète sallam l'a attaché à l'une des colonnes de la mosquée pour qu'il écoute le Coran, les exhortations, le comportement des compagnons, le comportement des gens contre un prisonnier. Et chaque fois, il vient le voir, il lui montre une affection, bienveillance. Quoi de neuf au soumame? Il lui dit, il n'y a que du bien avec moi. Si tu me tues, mon prix coûte cher. Si tu me pardonnes, tu as pardonné à quelqu'un de reconnaissant. Si tu me pardonnes, tu as pardonné à quelqu'un de reconnaissant. Et la troisième chose, ouais, si c'est l'argent que tu aspires, je te donne ce que tu veux. Le prophète sallam le regarda comme ça, il a dit, non, je te pardonne, libérez-le. Ils l'ont libéré. Allez, libre. Il est sorti de la mosquée et il est parti vers des palmiers qui sont à côté de la mosquée. Il a pris un seau d'huile, il s'est lavé le corps et il est rentré à la mosquée. Et il a dit, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad al-Rasulullah. Je rentre dans l'islam. Il a dit au prophète sallam, par Allah, avant, il n'y avait pas de visage que je déteste le plus sur cette terre que ton visage. Il n'y avait pas de religion que je déteste plus que ta religion. Et il n'y a pas de pays que je déteste plus que ton pays. Maintenant, il n'y a pas de visage que j'aime le plus que ton visage, et il n'y a pas de terre, de pays que j'aime le plus que ton pays, c'est-à-dire Médine, et il n'y a pas de religion que j'aime le plus que ta religion. Et il a dit au envoyé d'Allah, moi, quand tes hommes m'ont pris en captivité, je m'apprêtais à faire l'Umra à la Mecque. Le prophète sallam, il a dit, continue ton chemin. Va à la Mecque et fais ton Umrah. Il rentra à la Mecque, il fait les tournées rituelles, et puis il commence à faire talbiya. Labbayk Allahumma labbayk, labbayk la sharika laka labbayk, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika laka.
me voici dévoué à toi, oh Allah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك مبسي دفوي نل نتاسوسي أتوا إن الحمد والنعمة للوانج للوانج تبارتين النعمة لبيان في تبارتين إلى رويوتي إلى رويوتي نل نتاسوسي أتوا لا شريك لك et les associateurs qu'est-ce qu'ils font? Ils ajoutent à cette talbiya une autre talbiya, ce qu'on appelle la talbiya du shirk, celle qui a été ajoutée par Amr ibn Luhay al-Khuzai. Ça, c'est avant l'islam. Et eux, ils ajoutent la talbiya de l'association. Quand ils disent « Nul n'est associé à toi », puis ils ajoutent « Sauf un associé que tu as élu ».« Sauf un associé que tu as élu ». Il t'appartient ainsi que ce qu'il possède. إلا شريكا هو لك تملكه هو ما ملك إلوي إلنا بغتك ستلبية chaque fois ils ajoutent cette talbiya et lui il s'abstient de prononcer cette talbiya parce qu'il sait que c'est une talbiya de shirk. Que s'il le dit, ça veut dire qu'il a associé avec Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire qu'il a apostasié l'islam. Et les Quraysh commençaient à lui dire est-ce que tu as apostasié notre religion? Il a dit j'ai embrassé l'islam. Dès qu'il a dit, j'ai embrassé l'islam, un notable de Bani Hanifa qui se convertit à l'islam, c'est une vraie catastrophe, parce qu'il se peut que toute la tribu le suit. Et ils l'ont emprisonné. Puis lui, il a demandé à Bani Hanifa de ne pas fournir le blé à la Mecque. Il a envoyé quelqu'un, il a dit, ne fournissez pas le blé. Et c'est Yamama, on sait que c'est une région riche en blé, et en orge, son activité se base, son économie se base beaucoup sur l'agriculture, et c'est le plus grand fournisseur de blé à la Mecque. Il ordonna qu'on fasse l'embargo sur eux, et ils l'ont obéi. Et la famine commença à sévir à la Mecque. Plus de blé. Ils ont arrêté de fournir. Puis ils sont allés voir tout même. Ils ont dit, écoute, on te libère, et on reprend les relations économiques. Il a dit non. Même après l'avoir libéré, il a dit non. Il a dit, Wallah, il ne vous arrivera aucun, même un grain de blé de l'Yamama, sauf si l'envoyé d'Allah l'autorise. Ah, et demandez au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'il autorise qu'un grain de blé arrive à la Mecque, je l'autorise. Et ils étaient obligés de se rabaisser et d'envoyer une délégation à Médine, voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils l'ont supplié, et ils lui ont dit, on te conjure par le droit d'Allah, et le lien de sang, nous sommes ta famille, fait que l'Yamama nous envoie du blé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam autorisa qu'ils reprennent les relations. C'était ça alors l'histoire de Soumam ibn Asad. Bon, on déduit de cette histoire si vous voulez, il y a des notes à déduire. Il est autorisé d'attacher un mécréant dans une mosquée. Une chose. De bien traiter le prisonnier et de le pardonner. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. La bonne action et la mauvaise action ne sont pas pareilles. Repousse le mal parce qu'il est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité, devient-elle un ami chaleureux. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité, devient-elle un ami chaleureux. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. La haine s'est transformée en amour. Cela veut quand on embrasse l'islam. D'accord? On a dit lui ça. Comme a fait Soumam ibn Asad. Le bon comportement, il déracine la haine et il plante l'amour. Et le bon comportement, la da'wa par le comportement, il a plus d'incidence dans le cœur des gens que par la parole. D'accord? Le comportement, il touche beaucoup. Quand Soumam ibn Asad l'a vu, comment les compagnons se comportaient entre eux et tout, il est rentré en islam. Il n'a pas besoin de beaucoup de conférences, de tonnes de livres, non. Juste le comportement, c'est très important ça. Et
Une autre chose, quand un mécréant il faisait du bien avant l'islam, il peut continuer ce bien-là. Ce même Ibn Asal avait l'intention de faire l'Umrah. Et le prophète sallam, il a dit, continue ton... C'est-à-dire, tu peux, quand, si c'était du bien, si c'est accepté par Allah, tu peux le continuer. Si un mécréant avant, il aidait les pauvres et tout, quand il se convertit à l'islam, il continue toujours d'aider les pauvres. Et il y a autre chose, agir avec douceur avec celui... on espère de lui qu'il rentre en islam, parce que les gens sont différents, les mécréants ils ont différents caractères. Il y a des gens qui acceptent l'islam, d'autres qui l'acceptent pas. Donc si on voit une personne, on voit en lui qu'il s'intéresse à l'islam, qu'il se rapproche, qu'il est touché par l'islam, on doit se comporter avec lui avec douceur. Et surtout si cette personne il a un poids, ça veut dire c'est un écrivain, c'est un journaliste, c'est quelqu'un qui a un pouvoir. Ce même Ibn Asad, c'était le chef de son clan. Donc, il faut utiliser cette diplomatie et tout pour le rapprocher vers l'islam. Et il y a autre chose, quand la personne elle rentre en islam, il s'allie avec les alliés d'Allah et rompt toute relation avec les ennemis d'Allah. Ce même Ibn Asad, directement, quand il a embrassé l'islam, c'est mon allié, c'est Allah et son envoyé et les compagnons. Et vous, vous êtes, et le Quraysh l'a dit, vous êtes l'ennemi. D'accord. Donc, hadith rapporté par Al-Bukhari, 4372, et par Muslim et Abu Daoud. Une autre expédition qu'a envoyé le professeur sallam, et c'était vers les Bani Asad, qui se trouvent vers l'est, dans la région de Najd. Bani Asad, ils faisaient partie eux aussi des Ahzab. Ils ont comploté avec Quraysh et les Bani Qurayda et les autres. Il a envoyé Ukashat ibn Muhsan al-Usdi. Il fait partie de cette tribu. Mais il vit à Médine, il est musulman. Le professeur sallam l'envoya exprès parce que, déjà, parce que maintenant, il n'y a plus, on fait partie d'une même tribu, maintenant c'est le combat entre, c'est pas entre deux tribus ou des tribus, le combat c'est entre mécréants et musulmans. Première chose, deuxième chose, c'est parce que Ukash ibn Muhsan, il connaît bien le terrain des Bani Asad. Il l'envoya. Et il l'envoya, et puis à la tête de 40 hommes. Et les Bani Asad, ils se méfiaient toujours. Ils savaient ce qu'ils ont fait. Ils savaient que le professeur sallam ne va pas les laisser tranquilles. Il est en train maintenant d'engager les punitions contre les tribus. Ils se méfiaient. Ils ont pris la fuite. Dès qu'ils ont vu les 40 hommes, ils ont pris la fuite vers les montagnes. Et avant, déjà, ils cachaient leurs troupeaux très loin de leur tribu. Ils savaient que les musulmans peuvent venir et prendre le butin. Et Ukashat ibn Muhsan, il a réussi à prendre un prisonnier. Et en commençant à l'interroger, où est-ce qu'il est le butin, où sont les chameaux, les troupeaux, il a dit, je vous montre où sont les troupeaux, mais à condition, vous me laissez la vie sauve. Ils ont dit d'accord. Puis il les emmena loin, loin, loin. Puis Ukashat ibn Muhsan commence à douter. Il le réinterrogea de nouveau. Il lui a dit, tu veux nous trahir, tu nous emmènes vers une embuscade. Il a dit non, 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 ils sont derrière cette montagne. Derrière la montagne, il y avait des milliers de chèvres, de moutons, de chameaux. Ils ont tout pris, ils ont ramené tout ça à Médine. Et une autre bataille, c'était maintenant, ce n'est pas une expédition, c'est une razwa, parce que le prophète sallam a participé personnellement, c'est razwat Bani Lihyan. Les Bani Lihyan n'étaient pas avec l'Ahzab, avec les coalisés, mais eux, c'est eux qui ont trahi le prophète sallam, c'est eux qui étaient l'origine de la tragédie de Bi'r Raji'a. Quand ils ont tué Khoubaïb et ses compagnons, ils l'ont trahi, Adl wal-Qar. Bani Lihyan, Adl wal-Qar faisait partie de Bani Lihyan. Donc le prophète sallam, il n'a pas oublié ceci, il n'a pas oublié cette trahison, et il est allé à la tête de 200 combattants. Et alors, pour camoufler, sallallahu alayhi wa sallam, sa vraie direction, qu'est-ce qu'il a fait? Les Bani Lihyan, ils se trouvent où? Ils se trouvent au sud. Bani Lihyan, ils se trouvent au sud, entre la Mecque et Médine. Le prophète sallam, il a pris le chemin vers le nord, vers le Cham, jusqu'à ce que les tribus et les gens de Médine, tout le monde dit que le prophète sallam, il va faire la razwa vers une tribu qui se trouve au nord.
Mais à mi-chemin, il a dévié, il a viré vers le sud. C'était pour camoufler son et pour les brusquer. Mais eux, tellement ils avaient peur, ils envoyaient leurs éclaireurs à de longues distances, des centaines de kilomètres, pour voir est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va les attaquer. Et cette ruse n'a pas réussi parce qu'ils étaient prêts, ils envoyaient leurs éclaireurs, ils avaient tellement peur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les attaque. Et ils ont pris la fuite. Ils ont pris la fuite vers les crêtes des montagnes. Et il y avait avec eux, et c'était dans la vallée, une vallée qui s'appelle la vallée de Usafan. Il y avait avec eux Khalid ibn Walid. Ça, c'est avant l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam réunit les combattants. On sait qu'à chaque fois qu'il rentre dans une région, il reste 2 jours, 3 jours pour montrer sa fierté. Il a fait Dhuhr à cet endroit, la salade de Dhuhr. Et puis, eux, ils regardent des crêtes de la montagne, les Bani Lihyan, ils regardent d'où. Et puis, Khalid ibn Walid, il a dit, et les autres, ils ont dit, ils ont une prière après cette prière, c'est la prière de l'Asr. Ils l'aiment plus que leurs propres enfants et ils l'aiment plus qu'eux-mêmes. Donc, on peut profiter de l'occasion, on attend jusqu'à quand ils vont faire cette prière et on les attaque. Et en ce moment-là, entre le Dhuhr et l'Asr, Jibril est descendu avec les versets de Sourate An-Nisa, entre Dhuhr et l'Asr. Allah subhanahu wa ta'ala dit: wa idha kunta fihim fa aqamt lahum الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أمتعتكم وأسلحتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. Et lorsque tu te trouves parmi eux, Allah il révéla, et lorsque tu te trouves parmi eux et que tu les diriges dans la salat, qu'un groupe d'entre eux se mette debout en ta compagnie, en gardant leurs armes, puis, lorsqu'ils ont terminé la prosternation, qu'ils passent derrière vous, et que vienne l'autre groupe, ceux qui n'ont pas encore célébré la salat, associe alors d'accomplir la salat avec toi, prenons leurs précautions et leurs armes, les mécréants, aimerez-vous voir négliger vos armes et vos bagages, afin de tomber sur vous en une seule masse. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre la prière salat al-khawf. La prière de l'Khawf, c'est une prière spéciale que font les combattants quand ils sont en face de l'ennemi. Selon Abu Ayyash al-Zarqi, Abu Ayyash nous décrit l'une, parce qu'il y a plusieurs façons de faire cette salat. Il nous décrit une des façons, c'est quand l'ennemi il est en face de l'imam. Quand l'ennemi est en face. Il a dit, on était deux rangs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait recours et les deux rangs l'ont suivi. Ça veut dire, quand il a fait recours, les deux rangs l'ont suivi. Et quand il a fait Sami Allahu liman hamida, quand il s'est levé, les deux rangs se sont levés. Ils ont dit Rabbana wa lakal hamd. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est prosterné, le premier rang s'est prosterné. L'autre rang est resté derrière, debout. D'accord? Pour être vigilant, pour garder le groupe qui est en train de se prosterner, pour garder le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec leurs armes. Donc, le premier groupe s'est prosterné et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se leva. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam resta assis, puis c'était le groupe qui est derrière qui se lève. Et le premier rang s'est levé quand il a terminé les deux prosternations. Et il s'est levé et puis le groupe qui est debout, qui était debout, il s'est prosterné à son tour. D'accord ? Il s'est prosterné à son tour. Puis la deuxième raka'a, le premier rang est venu en arrière et le deuxième rang s'est mis en avant. Donc c'est l'une des façons de salat khawf. Il y a beaucoup d'autres. Parce que cette salat, elle va changer si jamais l'ennemi il n'est pas en face de l'imam. S'il est derrière. Et s'il n'est pas entre l'imam et le qibla. S'il est dans un autre endroit, là c'est une autre salat qui va être faite. Donc il y a différentes salats de l'Khawf. Celle-là est l'une de ces salats-là. Bon, ce hadith-là de salat al-Khawf, il est rapporté par Ahmed dans son Musnad, tome 4, page 59-60, Abu Dawud, Nasa'i, al-Hakim.
Et puis, de la vallée de Usafin, ça veut dire dans cette vallée où ils ont prié, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dépêcha un groupe de cavaliers, commandés par Abu Bakr Siddiq. Et ils arrivèrent jusqu'aux frontières de la Mecque. Il envoya Abu Bakr Siddiq 10 cavaliers, à la tête de 10 cavaliers. Ils sont allés jusqu'à la frontière de la Mecque, jusqu'à ce que l'information s'est répandue que Mohammed s'apprêtait à attaquer la Mecque. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya à Abu Bakr radiallahu anhu, lui dit, reviens. Ça nous suffit comme ça, juste pour les effrayer. Une des tactiques de, pour les effrayer. Puis Khalid ibn Walid, il a fait demi-tour. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, bon, c'est nous qui les attaquerons maintenant, et ce n'est pas eux. Donc, dans le chemin de retour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'arrêta près des tombes des martyrs d'Orragia, ceux qui ont été tués. Dans les Qurra, les savants qui ont été tués, et il invoqua Allah pour eux et leur implora miséricorde. De même, entre la Mecque et Médine, il s'arrêta près d'une tombe et pleura énormément. Et les compagnons, ils ont dit, c'est en air le fait de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam près de cette vieille tombe, en train de pleurer. Puis Omar radiallahu anhu, il alla le voir, il a dit, oh Allah, on t'a vu pleurer, on ne t'a jamais vu pleurer comme on t'a vu pleurer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, oh Omar, c'est la tombe de ma mère. La mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, j'ai imploré mon Seigneur pour m'autoriser de visiter la tombe de ma mère. Il me l'autorisa et j'ai invoqué Allah pour que je lui demande, pour que j'invoque Allah pour elle, j'invoque le pardon d'Allah pour elle, istighfar, de faire l'istighfar pour elle. Et Allah, il ne me l'a pas permis parce qu'elle est morte, mécréante. D'accord ? Hadith sahih, rapporté par Muslim. Hadith rapporté par Muslim, Kitab al-Janaiz, hadith numéro 976. Que la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est morte mécréante. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec l'affection qu'il a envers sa mère et tout, il a beaucoup pleuré pour sa mère. Une autre expédition qui s'appelle expédition de Dilqassa. Cette expédition, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé 10 hommes simplement. 10 hommes, à leur tête Mohammed ibn Maslama. Mais c'était juste une expédition de reconnaissance, c'était juste pour reconnaître les lieux. Le prophète les a envoyés chez les Bani Tha'laba. Et c'était juste pour voir, un peu de scruter le terrain et de revenir, ramener l'information au prophète. Et les Bani Tha'laba, ils étaient aux aguets. Eux aussi, ils s'attendaient à ce qu'il y ait une attaque des musulmans. Et ils ont fait une embuscade et ils ont tué les 10 hommes, sauf Mohammed ibn Maslama. Lui, il a été blessé, mais quand ils l'ont touché avec leurs pieds, comme ça, quand ils fouillaient les morts, lui, il a fait le mort. Il a fait semblant d'être mort. Les neuf autres ont été tués. Et puis, Mohammed ibn Maslama, il est resté un instant, puis un homme vint les voir comme ça. Puis cette personne, il a reconnu que c'était des musulmans qui ont été tués. Il a dit, Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah et c'est à lui que nous devons retour. Et dès que Mohammed ibn Muslim a entendu ceci, il a su que c'était un musulman. Il a dit, oh Abdullah, oh esclave d'Allah, je suis encore vivant. Et cette personne, il a pansé les blessures de Mohammed ibn Muslim et le ramena à Médine. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, directement, il dépêcha une expédition commandée par Ubayd ibn al-Jarrah, radiyallahu anhu. Et malgré leur vigilance, il a réussi à les attaquer. Et la suite, inshallah, juste après un instant, subhanakallah, bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Ala rasulillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dépêcha Ubayd ibn al-Jarrah pour combattre les Bani Tha'laba, ceux qui ont tué les compagnons de Mohammed ibn Maslama. Et il a réussi à les surprendre et ils ont pris la fuite dans les montagnes et il a réussi à captiver un des leurs et pris leurs troupeaux, leurs chameaux. Et bon, le professeur a réussi à les punir. Bon, le prisonnier qu'ils ont pris, il a embrassé
l'islam, il est rentré en islam. Puis il y a une autre expédition qu'a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'expédition de Al-Jamoum contre les Bani Salim, qui ont participé eux aussi à la bataille d'Al Khandaq, sous le commandement de Zayd ibn Haritha, radiallahu anhu. Ils ont pris le butin et sont revenus. Puis il y a une autre expédition vers Al-Aïs. Al-Aïs c'était au nord de Médine, nord-ouest de Médine, à une distance de 4 jours de marche. Et Al-Aïs c'était un endroit plein d'arbres et plein de cavernes. Et le prophète sallam il envoya 170 combattants, tous des cavaliers, à leur tête Zayd ibn Haritha, radiallahu anhu. Et Zayd ibn Haritha fut dépêché pour couper la route. Pour couper la route à une riche caravane de Quraysh. Toujours les caravanes de Quraysh pour les punir. À une riche caravane de Quraysh. Ils se sont cachés dans les cavernes et derrière les arbres. Et ils firent main basse sur la totalité des marchandises. Et la plupart des hommes furent faits prisonniers. Toute la caravane a été prise. Les hommes prisonniers, et puis il y avait un parmi eux, c'est Abu al-As. Abu al-As, c'est le mari de Zaynab, fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le mari, il était encore mécréant, l'islam n'a pas, à ce moment-là, n'a pas encore interdit le mariage entre le mushrik, l'associateur, et les musulmans, entre les mushrikines et les musulmans. Donc il est resté son mari. Et lui, quand il a pris la fuite, la ville la plus proche, c'est Médine. La Mecque, c'est très loin, parce que ils étaient au nord-ouest. Il rentra à Médine, et il alla directement chez sa femme. Il lui ouvrit la porte, il a demandé protection, il lui ouvrit la porte, et il est resté chez sa femme. Et quand le prophète sallam, le matin, à l'aube, le Fajr, Bilal, il a fait l'Azan et l'Iqama, dès que le prophète sallam a fait Takbira, il a dit Allahu Akbar, Zaynab, il a crié. Il a dit, je protège Abu al-As, je le protège. Envoyé d'Allah, je protège Abu al-As. Le prophète sallam ne peut pas répondre parce qu'il a fait déjà takbirat al-ihram. Et à la fin, quand il a fait les salutations, il a dit, avez-vous entendu ce que j'ai entendu? Par celui qui tient mon âme dans sa main, je n'étais au courant de rien du tout et personne ne m'a consulté. Il ne savait pas que Zaynab, il a protégé, il a gardé chez elle Abu al-As. Puis il a dit aux compagnons, cet homme est lié à nous par les liens que vous savez, ça veut dire les liens de parenté. Et vous avez pris des biens qui étaient en sa possession. Maintenant, si vous voulez avoir la bonté de lui rendre son argent, de lui rendre ses biens, faites-le. Si vous ne voulez pas, c'est un butin qu'Allah vous a accordé, vous avez le choix. Ils ont dit, envoyé d'Allah, on lui rend ses biens. Et ils lui ont rendu ses biens, ils lui ont rendu des dépôts qui appartiennent à Quraysh. Et que lui, il s'était occupé de les prendre. Ils lui ont rendu ça. Et ils ont libéré d'autres prisonniers. Ils ont dit, par honneur au prophète, on va libérer les prisonniers. Et Abu al-As, il a été touché par ce comportement-là. C'est une deuxième chance, si vous voulez. Il a été pris, il faisait partie des prisonniers dans la bataille de Badr déjà. Et ça, c'est la deuxième chance. Et pourtant, ils l'ont libéré et il a pris toutes ses affaires, tous les dépôts de Quraysh et il ne s'est pas converti, il n'a pas prononcé la shahada. Quand il est arrivé à la Mecque, il a rendu à chacun son dépôt et il leur a dit, est-ce que je vous ai donné tout ce que je vous dois, est-ce que j'ai été fidèle? Ils ont dit, tu as été fidèle, tu as été digne de confiance. Il a dit maintenant, je témoigne, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Il a dit, je témoigne maintenant. Ce n'est pas que quand j'étais à Médine. Maintenant, pour que vous ne dites pas que je me suis converti à l'islam, juste pour prendre vos marchandises. Maintenant, je vous rends vos marchandises et je rentre à Médine. Et il alla rejoindre Zaynab. Et le prophète sallam lui rendit Zaynab. Et il n'a pas renouvelé l'acte de mariage. D'accord ? Il n'a pas renouvelé l'acte de mariage qui a été fait avant l'islam. D'accord? Quand deux mécréants, quand par exemple, ça en face, c'est un grand sujet. Mais le prophète sallam n'a pas renouvelé d'acte de mariage. Et le hadith, il est dans Sunan, hadith authentique, dans Sunan Abu Daoud. Durant l'année 6 de l'Hégire, après les punitions
qu'a fait le prophète sallam aux différentes tribus qui ont participé à l'Ahzab, l'année 6 de l'Hégire, Zulqa'da a eu lieu la convention de l'Hudaybiyah, le pacte de l'Hudaybiyah. Certains savants ils l'appellent Razwat l'Hudaybiyah, la bataille de l'Hudaybiyah, mais ce n'est pas une razwa parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas l'intention de combattre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un songe, alhamdoulilah, il a vu un songe comme quoi il fait le pèlerinage. Il a vu dans le rêve qu'il faisait le pèlerinage, la tête rasée, avec les compagnons. Et il a fait le récit de ce rêve aux compagnons et il a dit, je décide d'aller faire le pèlerinage, d'aller faire la Umrah. Ce n'était pas le grand pèlerinage, c'était le petit pèlerinage. Il invita les compagnons à se joindre à lui. Les Muhajirines, l'Ansar et certains musulmans faisant partie d'autres tribus, ils entreprirent les préparatifs pour partir. Et ils étaient au nombre de 1400, selon le hadith de Jabir dans le Bukhari. Et selon d'autres versions, plus 1500 selon d'autres versions. Et bien entendu, le conflit entre les musulmans et le Quraysh est toujours présent. Et les relations sont tendues. Donc, ce n'est pas évident. Et c'est pour cela que beaucoup de Bédouins, surtout ceux qui vivent aux alentours de Médine, ils ont manqué de courage d'aller avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les hypocrites, ils ont refusé d'y aller. Ils ont dit, ils se livrent, ils se... Ça veut dire qu'ils se livrent à ses ennemis. Ils vont le massacrer. Sans armes, sans rien du tout, il va faire le pèlerinage, tawaf, alors que, il n'y a pas si longtemps, il a pris leur caravane, il n'y a pas si longtemps, il y avait la bataille de l'Ahzab, ils vont le massacrer. Et ils ont refusé d'y aller. Mais les vrais croyants, ils ont accepté, ils ont dit on va avec tout. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était conscient de ça. Ça veut dire qu'il savait que s'il rentre à la Mecque sans armes, il risque de le tuer, ou durant le trajet, il risque de le tuer. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les armes. Il a pris les armes. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuha alladhina amanu, khudhu hidrakum. Oh, les croyants, prenez vos précautions. Mais il n'avait pas de penchant pour la guerre. Les hypocrites, personne n'est allé avec lui, sauf un, qui s'appelle Al-Jadd ibn Qais. Arrivé à Zulhulayfa, j'ai une petite carte ici. Zulhulayfa, c'est le miqat des gens de Médine. Vous savez que, regardez, le haram, ça c'est la Mecque. La Mecque comme ça. Et ça c'est ce qu'on appelle le haram. Le haram. Il est interdit de tuer, de combattre à l'intérieur. Ça veut dire de tuer quelqu'un à l'intérieur de le haram. Ça c'est la Mecque. Ça c'est le haram. Voilà les limites de le haram. D'accord. Mina et Muzdalifa font partie de l'haram. Arafa, il est en dehors du haram. D'accord. Ici, c'est Taniyat Tan'im, et puis les différents endroits. Et puis, ce grand cercle-là, c'est le miqat. Le miqat. Qu'est-ce que ça veut dire, le miqat? Celui qui fait le pèlerinage ne doit pas le franchir, sauf s'il est en ihram, sauf s'il porte l'ihram. Donc, pour les Yémanites, il y a l'amlam, et Qarl Manazil pour les gens de l'Est, et chacun son miqat. Ça, c'est la frontière de miqat. Donc, le miqat de Médine, c'est Zulhulayfa. C'est à quelques kilomètres de Médine, au sud de Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est allé jusqu'à Zulhulayfa. Et là, il a pris son ihram. Il a pris son ihram et il se prépara. Les armes, il les a mis dans les montures, sur les montures. Et il a préparé 70 chameaux pour le qurba, ça veut dire pour taqarrub ila Allah, ça veut dire ce qu'on appelle le hadi, les offrandes. Et les 70 chameaux destinés à être sacrifiés pour Allah subhanahu wa ta'ala, 70 chameaux. Et il a fait ce qu'on appelle taqlid wa tash'ir. Tash'ir, c'est quoi? Tash'ir, ça veut dire fondre une bosse du chameau avec un couteau, avec le sabre, jusqu'à ce que le sang il sorte. Ça veut dire qu'elle est destinée à être sacrifiée, ou bien mettre un collier sur le cou du chameau. Les gens, quand ils voient ça, ils disent « Hadi muqallad wa musha'ar ». Ça veut dire « chameau, il a le collier, il est avec la bosse fondue ». Ça veut dire qu'il est destiné à être sacrifié dans le haram, dans le masjid haram, près de la Kaaba, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et sa viande, bien sûr, la chair, elle est destinée aux pauvres. Elle est destinée
au prophète, c'est ce qu'on appelle saq al-hadi. Et il a porté l'ihram. L'ihram, les vêtements sans couture, simple, blanc. Et les, bien sûr, les armes, c'est sur les montures. Et il envoya un éclaireur. Déjà, Adul-Huleifa qui se trouve là, il envoya un éclaireur pour voir ce qui se... Un éclaireur de Khouza'a. Le hadith, il est rapporté par le Bukhari, 4178, jusqu'à hadith 4181, et rapporté également par Abu Daoud. Lorsque les Quraysh, ils apprirent que les pèlerins avaient quitté Médine, ils furent remplis d'appréhension. Ils se sont réunis, ont décidé, ils se sont mis dans une situation assez grave, dans un dilemme, si vous voulez. Ils étaient placés devant une situation. Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Les pèlerins, ils viennent. S'ils rentrent dans le haram, ils n'ont pas le droit de le combattre, parce que s'ils le combattent à l'intérieur de le haram, ils violeraient le haram, et ça fait un grand déshonneur pour eux. Et s'ils l'interdisent, c'est grave. S'ils l'interdisent, c'est aussi qu'ils interdisent des gens qui veulent adorer Allah, ils interdisent des gens qui veulent visiter la demeure d'Allah. Ça, si tout le monde, si tous les Arabes ils sont informés que les Quraysh, ils interdisent les gens pour faire le pèlerinage, c'est un grand déshonneur, parce qu'ils commettraient une violation flagrante des lois sur lesquelles reposait leur propre honneur, leur propre fierté. Donc ils étaient dans un vrai dilemme. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont dit, de toute façon, on ne le laisse pas rentrer. Il ne rentrera pas, sa chose n'aura pas lieu aussi longtemps qu'il restera parmi nous un seul œil animé d'une lueur de vie. Et lorsque les pèlerins ils atteignirent un endroit qui s'appelle Ghadir al-Ashtat, l'homme qui avait été envoyé en éclaireur, qui s'appelle Bishr ibn Sufyan, les rejoignit et dit, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Quraysh ayant appris ta marche, ils ont rassemblé les Ahabish et beaucoup de combattants. Les Ahabish, c'était une tribu qui regroupe les affranchis de différentes tribus. C'est un mélange de différentes tribus. Il a dit qu'ils ont regroupé les Ahabish et beaucoup de combattants, et ils sont prêts à te combattre et à t'empêcher d'entrer à la Mecque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il a consulté les compagnons, il a dit, qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Voulez-vous qu'on aille vers les tribus de ces gens-là qui ont aidé les Quraysh, et on prend leurs femmes et on prend leurs enfants, et comme ça on les laissera, soit qu'ils vont venir, s'ils viennent sauver leurs enfants et leurs femmes, on se dirige directement nous vers la Mecque et on combat les Quraysh. C'est une tactique qu'a dit le prophète sallam. Il a dit, vous voulez qu'on fasse ça, ou bien on rentre directement et celui qui nous barre le chemin, on le combat. Qu'est-ce que que me conseillez-vous? Et Abu Bakr radiallahu anhu, il a dit, Allah il est plus savant ainsi que son messager, mais nous sommes venus faire l'Umrah. On rentre. Si quelqu'un s'interpose entre nous et le haram, entre nous et la demeure sacrée d'Allah, on le combat. Abu Bakr lui a dit ceci. Et le professeur sallam l'a dit, allez, avance, en avant. Le hadith, c'est le même hadith rapporté par le Bukhari. Ils s'avancèrent. Puis le professeur sallam, il a dit, à mi-chemin, il a dit, regardez Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid, il était dans le chemin, il était entre Rabir, dans le Ramim. Le Ramim, c'est un endroit entre Rabir et le Juhfa. Regarde Médine, où est-ce qu'elle est? Et il s'est avancé jusqu'ici. Il s'est avancé jusqu'au nord. Et le prophète sallam, il a dit, regardez Khalid ibn al-Walid, il est dans le Ramim. Il l'a vu, le prophète sallam. Et il a dit aux compagnons, dirigeons-nous vers la droite. Vers la droite. Vers la droite, ça veut dire que normalement, la route habituelle, il doit passer par Usfan et il va aller jusqu'à Tan'im. C'est là les limites de l'haram. Et le prophète sallam, il a pris une autre route. Et dès qu'ils ont changé de direction, Khalid ibn al-Walid ne les a même pas vus.
Mais quand est-ce qu'il a eu conscience que les pèlerins, ils sont proches de lui, il a vu beaucoup de poussière. Et il a fait directement demi-tour pour avertir les Quraysh. Arrivé à Usfan, c'est encore plus au sud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que les éclaireurs des associateurs se trouvent maintenant à Dajnan, c'est-à-dire dans un autre endroit. Et il a dit, qui connaît la route de l'Handal? Donc d'ici, il y a une autre route. Il y a cette route, ça c'est Tariq al-Musafirin. Elle est connue, cette route habituelle. Et il a dit, qui connaît une autre route inhabituelle, ce qu'on appelle Tariq al-Handal, la route de l'Handal. Une autre route. Ce n'est pas la route qui va vers Saniyya al-Tan'im. Non, c'est une autre route. Et il y avait une personne qui lui montra, il les conduisit par cette route, plein de pierres difficiles, un chemin tortueux et difficile. Et Abu Saïd Khoudri radiallahu anhu, lui qui rapporte ce hadith, il a dit, il les branche et tout, il se colle aux vêtements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils arrivèrent vers un col. Le col, il s'appelle Handal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'assemblance de ce col est celle de la porte par où sont entrés les fils d'Israël quand Allah leur dit, rentrez en vous prosternant et dites Hetta, dites rémission. Dites Hetta, nous vous pardonnons vos fautes. Nul, il a dit, nul ne passera ce col sans qu'Allah ne lui pardonne ses péchés. Il a dit, ce col-là, il ressemble à la porte par où Allah subhanahu wa ta'ala, il est dans Sourate al-A'raf et dans Sourate al-Baqara. Wa idh qulna adkhulu hadhihi al-qaryah fakulu minha haythu shi'tum raghadan wa adkhulu al-baba sujadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidu al-muhsinin. Allah subhanahu wa ta'ala, dans Sourate al-A'raf, Sourate al-Baqara, il leur dit de rentrer par cette porte et dites hitta, le terme hitta, il dit hitta. Ça veut dire rémission, pardonne-nous, et je vous pardonnerai vos péchés, et rentrez par cette porte, rentrez en vous prosternant. Et ils ont refusé, et ils ont changé le terme, au lieu de dire Hetta, ils ont dit Henta, pour désobéir à Moussa. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous passez par ce col-là, Allah vous pardonnera tous vos péchés. Cette porte, il ressemble à celle de Bani Israël. Le hadith, il est rapporté par Al-Bazzar. Dans Kitab Kashf al-Astar, il a été mis un hadith authentique. Ils se précipitèrent pour passer par ce col, et de ce col, on descend vers l'Hudaybiyah. L'Hudaybiyah, c'est une plaine, une large plaine. Et puis au-dessus, c'est la Mecque. Une large plaine. Puis au-dessous, la plaine comme ça, puis la Mecque, elle est surélevée. Elle a une autre altitude. Et lorsque la chamelle Qaswa, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a une chamelle qui s'appelle Qaswa, et puis parvenue à l'extrémité du col, elle s'arrêta. Elle s'arrêta et s'agenouilla. Et on entendit des clameurs, les compagnons criaient pour pousser la chamelle à marcher de nouveau. Et ils commençaient à crier. On dit en arabe, hal, 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 pour qu'elle s'avance. Pour tenter de l'encourager à repartir. Mais elle restait sur place. Comme s'il s'est enraciné, subhanallah. Il n'a pas voulu bouger. Et puis ils ont dit, khala'at il qaswa, ça veut dire il est têtu, il s'est obstiné. Et le prophète sallam, il a dit, non, il ne s'est pas obstiné, il ne s'est pas entêté, et ce n'est pas son tempérament. Ma khala'at il qaswa, wa ma laha bi khuluq. Ça veut dire que ce n'est pas son tempérament, ce n'est pas son caractère de s'entêter. Wa ma zaka laha bi khuluq. Mais ce n'est pas son tempérament, mais il fut arrêté par celui qui a arrêté l'éléphant. Habasaha, habisul fil. Celui qui a arrêté l'éléphant de Abraha al-Ashram, on a parlé de ça au début de la vie du prophète, quand Abraha al-Ashram il poussa l'éléphant pour qu'il s'avance vers le haram, et l'éléphant n'a pas voulu s'avancer. Il a dit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a décidé ainsi, il a décidé que la chamelle ne s'avance pas. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a su qu'Allah, il a décidé ceci, qu'il ne peut pas le désobéir. Donc c'est qadar Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit, quand il a su que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui arrêta la chamelle, il a dit, il n'est pas de concession respectueuse des droits d'Allah
que s'il me le demande, que s'il me la demande aujourd'hui, ça veut dire que si les Quraysh me demandent cette concession, je suis prêt à leur accorder. Si par exemple il me demande, il me propose quelque chose, un accord qui fait que dans cet accord il y a le respect du sang, il y a le respect des liens du sang, de la parenté, salat al-rahm dans une version, et où il y a le respect des droits d'Allah, je leur accorderai ceci. Et il a appelé al-Qaswa de s'avancer, et il s'est avancé, puis il demanda aux compagnons de camper sur cette plaine-là. Les compagnons ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu nous as mis dans un endroit où il n'y a pas d'eau. Il y a juste des puits, mais il n'y a pas suffisamment d'eau. Il y a juste une petite quantité d'eau. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donna son épée, c'est pas une épée, une flèche. Il a donné à un des compagnons, il a dit, enracine cette flèche dans un des puits. Et la personne, le compagnon, il est parti, il est descendu dans le puits et il a frotté la terre avec la flèche du prophète et l'eau, il a jailli. Il a jailli, il a dit, ils prennent l'eau comme s'ils le prennent d'une rivière, jusqu'à la surface comme ça du puits. Mu'ajizal, c'est l'un des miracles du prophète. De même, ils avaient tellement faim qu'ils faillirent égorger. Le trajet, c'est long, hein, de Médine de Médine jusqu'à Al-Hudaybiyah, c'est long. Ouais. Ils faillirent égorger leur propre chameau. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demanda qu'on étale un tapis et d'y mettre tout ce qu'ils avaient. La nourriture qu'ils avaient, les dattes, il y en a qui ont mis les dattes, le pain, etc. Et Salam ibn al-Akwa', le rapporteur du hadith, il dit, ils ont fait un petit tas qui a la taille d'une petite chèvre. Et ça va servir pour 1400 hommes. Et le prophète sallam leur a dit, allez, chacun il met sa main, il mange. Et ils ont mangé, et la quantité elle est restée la même. Et d'autres compagnons ont dit, on a même ramené nos sacs et on a mis les dates, on a tout rempli. Et la baraka du prophète, le hadith, il est rapporté, ce hadith-là, il est rapporté par le Bukhari. Puis les Quraysh, ils furent surpris que le prophète s'installe à Al-Hudaybiyah. Al-Hudaybiyah, c'est là. Al-Hudaybiyah, c'est vers l'ouest. Parce qu'il a fait comme ça, puis il a dévié. Il a fait comme ça, puis il a pris la route de l'Hamdali, une route inhabituelle. Ce n'est pas la route habituelle des voyageurs. Il est à l'extérieur. Hudaybiyah, il est à l'extérieur de l'Haram. Il n'est pas à l'intérieur. La limite, il se trouve. Il est à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il prépare? On dit, Quraysh, qu'est-ce qu'il prépare? Il a l'Ihram, d'accord. Il veut rentrer pour faire le pèlerinage. Mais les armes. Pourquoi il met les armes sur les montures? Et ils hésitaient, qu'est-ce qu'il veut faire. Et ils ont envoyé un homme qui s'appelle Boudayl ibn Warqa, radiallahu anhu. Ça c'est avant qu'il ne se convertisse, parce qu'il s'est converti après. Boudayl ibn Warqa, un des notables de Khuza'a, et qui se trouvait à la Mecque en ce moment. En compagnie de quelques membres de son clan, il vint trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'informer de l'attitude de Quraysh. Il a dit, j'ai laissé Ka'b ibn Lu'ay et Amir ibn Lu'ay près d'un point d'eau de l'Hudaybiyah, dans la même plaine, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup de distance entre les deux, entre les Quraysh et le professeur, près d'un point d'eau de l'Hudaybiyah, et ils ne te laisseront pas la voie ouverte entre toi et la maison d'Allah, et ils s'apprêtent à te combattre. Et le professeur lui dit, nous ne sommes pas venus pour nous battre, nous sommes venus faire la Umrah. Tu sais bien que la guerre a rangé les Quraysh. Il a dit la guerre, il a rangé les Quraysh. Et moi, je suis prêt à donner un délai aux Quraysh. Ça veut dire je suis prêt à faire un pacte avec les Quraysh. On ne fait pas de combat, rien du tout. Et qu'il me laisse, moi, il me laisse avec les autres tribus. Et si les autres tribus rentrent en islam, ça sera leur fierté, parce que je fais partie des Quraysh. Et ils rentrent en islam comme les autres. Au moins, ce délai-là, ça va leur servir de se reposer des batailles, de la famine, beaucoup de choses qu'ils ont endurées durant cette période-là. Mais s'ils veulent me barrer directement le chemin
pour visiter la demeure sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala, je suis prêt à les combattre. Je le combattrai. Jusqu'à ce qu'Allah me fasse triompher et que j'y laisse la vie. Boudail a dit, je vais leur transmettre ce que tu as dit. Et il a dit, assemblée de Quraysh, vous êtes hâtifs. Vous êtes précipités dans vos décisions. Et il est venu faire le Umrah. Mohammed et ses compagnons sont venus faire le Umrah et ils n'ont pas l'intention de faire la guerre. Ils ont dit, on ne peut pas te croire comme ça, c'est juste une parole. Tu nous as dit ça, mais on ne sait jamais ce qui va se passer. Les armes qu'ils portent sur la monture, etc. Donc, nous, on est méfiants. Et pour s'assurer davantage, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé un autre homme, qui s'appelle Mikraz ibn Hafs. Et dès que le prophète l'eut aperçu, il a dit, cet homme est un homme trompeur. Hada rajul ghadar. Il est venu voir le prophète sallam, le prophète sallam lui tient les mêmes propos et il est retourné et ils ont posé la question à Mikraz ibn Hafs, il a dit je ne sais pas, il a les armes, je ne sais pas ce qu'il va faire. Et il a dit tu n'as rien ramené de nouveau. Et ils ont envoyé un homme, l'un des chefs de l'Ahabish. Je dis l'Ahabish, c'est une tribu qui regroupe plusieurs autres tribus. Il s'appelle Al-Hulays ibn Al-Qama, le chef des Ahabish. Le voyant venir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui-là appartient à un peuple d'adorateurs. Il respecte les choses sacrées. Il respecte le hadith. Yu'azzimuna al-hadith. Il vénère ceux qui sacrifient les chameaux, les bêtes pour Allah subhanahu wa ta'ala dans le sanctuaire. Lui, il les respecte beaucoup. Et il vénère beaucoup les choses sacrifiées. Et il a dit, envoyez dans sa direction. Sauf la tactique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Envoyez dans sa direction les bêtes destinées à être sacrifiées, pour qu'il les voie. Et lorsque les 70 chameaux défilèrent solennellement près de l'Hulays, le cou entouré de colliers, la bosse fendue et amaigrie par le long séjour, il s'est étonné, il a été ébahi, il a dit, il n'appartient pas à ces gens-là, il n'appartient pas au Quraysh de leur barrer le chemin. Il n'est même pas allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a même pas discuté avec lui, il a fait demi-tour directement voir le Quraysh. Il a dit, ces gens-là, ils sont venus faire le pèlerinage, il ne faut pas leur barrer le chemin. Ils ont dit, tu n'es qu'un bédouin, tu n'es qu'un homme de désert, tu ne peux pas apprécier vraiment la situation. Il les regarda comme ça, il a dit, ce n'est pas pour ça que j'ai fait le pacte avec vous, j'ai fait cet accord, je suis votre allié. Comment ça se fait? Vous barrez le chemin à des gens qui veulent sacrifier pour Allah? Il a dit, si jamais vous lui barrez le chemin, je ramènerai tous les Ahabish, je ne sais pas combien, des milliers de combattants, j'attaquerai la Mecque. Il a dit, j'attaquerai la Mecque si jamais vous lui barrez le chemin. Regardez la tactique du prophète, il a jusque... Et puis on dit, oh, patience, patience, Hulays, patience, jusqu'à ce que nous arrivions à des conditions qui nous conviennent. Et là, Urwa, Ibn Mas'ud, le Thaqafi, radiallahu anhu, parce qu'il s'est converti lui aussi après. Urwa Ibn Mas'ud, le Thaqafi, il a dit, c'est l'un des chefs de Taqif. Taqif, c'est une tribu qui fait partie de Taif. La région s'appelle Taif et la tribu s'appelle Taqif. Il a dit, écoutez, chaque fois que vous envoyez quelqu'un, le pauvre, quand il revient, vous l'accueillez avec des termes grossiers, avec des termes durs, agressifs, etc. Il a dit, moi, je ne suis pas comme les autres. Il a dit, moi, je ne suis pas comme les autres. Vous me connaissez très bien, je vous connais très bien. Vous, votre position par rapport à moi, c'est comme le père, la position du père. Vous êtes père par rapport à moi, et moi, je suis le fils par rapport à vous. Ça, lui, il a dit ça parce qu'il y avait des relations entre les Saqif, Urwa ibn Mas'ud et les Quraysh. Et commença à énumérer les bienfaits qu'il a prodigués pour eux. Ça veut dire qu'il les a aidés. Il a dit, quand j'ai soulevé les gens de Uqad pour se rallier à vous et qu'ils ont renoncé, ne suis-je pas venu jusqu'à chez vous avec mes enfants, avec les gens qui m'ont obéi pour montrer ça. Et il a vraiment cette valeur. Pourquoi il dit ça? Pour que si jamais il part et qu'il revient, il ne le démentisse pas, il ne le traite pas comme ils ont traité l'Hulays et comme ils ont traité Mikraz et l'autre. Donc, il a dit ça, et pour connaître vraiment la valeur de cet homme,
C'est à son sujet qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé وقالوا لو نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. Et ils disent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre ce Coran sur un haut personnage de l'une des deux cités? Ça, c'est le Coran qui a été révélé à la Mecque déjà. Quand ils ont demandé des signes au professeur, puis après, ils se sont posés cette question. Pourquoi le Coran n'a pas été révélé à l'un des deux hommes qui sont très connus? Les deux hommes, c'est Urwa ibn Mas'ud à Taqif et Walid ibn al-Mughira à la Mecque. Ça, c'est pour connaître vraiment la valeur de cet homme. Et là, Urwa, il a voulu s'assurer. Il a voulu vraiment s'assurer, est-ce que Mohammed est venu pour la guerre ou pour faire le pèlerinage? Mais comment? Comment il va faire? Il a préparé un plan, puis il est rentré dans le camp où se trouve le prophète sallam. Il s'est dit, voilà, je vais essayer de les exciter, de les provoquer. S'ils me répondent avec agressivité, ça veut dire qu'ils préparent un combat. S'ils sont conciliants, s'ils me parlent avec douceur, ça veut dire qu'ils veulent juste faire leur main. Et il s'est assis en face du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en face directement, en face, et il était armé. Et dès qu'il est rentré avec l'arme, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, mon gardien, appelez mon gardien. Mourir Ibn Shu'ba, il a dit, porte tes armures, et porte ton casque, et viens, mets-toi debout à côté de moi. Il fait, Ya'khud Hidra, sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire qu'il est autorisé que le chef doit avoir un garde du corps, un gardien personnel. Il s'est mis à côté de lui. Le Walid, Urwa ibn Mas'ud, il s'est assis en face du prophète. Et ils ont amené la discussion, etc. Puis Urwa, il a dit au Mohammed, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas anéantir ton peuple? Il a dit, moi je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui a combattu ses propres parents, sa propre tribu. Il a dit, toi, si tu le fais, ce sera le premier. Et si jamais c'est eux qui ont le dessus sur toi, parce que moi je ne pense que ça. Ça veut dire qu'ils vont te combattre, qu'ils vont prévaloir sur toi parce que je ne vois autour de moi, ils essaient de provoquer. Il a dit, je ne vois autour de moi qu'un mélange d'hommes. Il n'y a pas d'hommes d'honneur parmi dans ton clan. Il a dit, si jamais la guerre il fait rage, ils vont faire le vide autour de toi, ils vont te laisser tout seul. Puis Abu Bakr, l'indulgent, il n'a pas pu se contrôler. Et il l'a insulté, il l'a insulté odieusement, il a dit nous on se retire. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Abu Bakr, tais-toi. Et puis Urwa, il a dit, qui est-ce? Il a sur Abu Bakr, il a dit, c'est qui celui-là? Il les provoque. Il a dit, Abu Bakr. Et puis Urwa, il a dit, par celui qui détient mon âme dans sa main, si je n'étais pas redevable envers toi d'un bienfait, je t'aurais répondu. C'est-à-dire, je t'aurais insulté comme tu m'as insulté. Au début de la sira, il disait, bon, les savants, ils disaient que Abu Bakr, il a participé avec Urwa ibn Mas'ud pour qu'il paye une rançon, le prix du sang de quelqu'un qui a été tué. Et puis, pour vraiment les exciter, on sait que chez les Arabes, quand quelqu'un il veut provoquer l'autre, il essaie de lui tirer la barbe, comme ça, de lui tirer la barbe. Et Urwa, il est près du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en face. Et puis il a voulu provoquer, puis il ramena sa main comme ça, dès que sa main s'approcha du visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il reçut le coup du plat du sabre. Il a dit, retire ta main du visage de l'envoyé d'Allah, retire ta main avant qu'il ne t'appartient plus, avant qu'il ne revienne plus à toi cette main. Et c'était Shu'ba ibn al-Mughira radiallahu anhu qui le frappa avec la... Et à chaque fois qu'il l'approche, à chaque fois qu'il essaie de toucher la barbe du prophète sallam, lui, Shu'ba ibn al-Mughira, il le frappe avec le plat du sabre. Et là, Urwa, il leva la tête comme ça, et il regarde, Shu'ba ibn al-Mughira, tout couvert d'armure, avec le mirfar. On ne voit que ses yeux. Il a dit, « Man hadha al-fadz al-ghalid ?» Qui est ce grossier-là? Et le prophète sallam, il a souri, il a dit, « Tu ne le connais pas? C'est ton neveu, le Mughira ibn Shu'ba. » Il a dit, « Ya al-ghadr, quel trompeur !» Il n'y a pas si longtemps, c'est moi qui ai lavé ta saleté.
Il parle d'une histoire, il a fait allusion à une histoire. C'est que Mughira ibn Shu'ba, avant l'islam, qu'est-ce qu'il a fait? Mughira ibn Shu'ba, il est parti avec 13 hommes de Bani Malik. Bani Malik, ils vivent dans Taïf. Et ils sont allés voir le Muqawqis. Le Muqawqis, c'est l'un des rois de l'Égypte. Ils sont allés le voir. Lui avec les 13 hommes. Jusqu'en Égypte. Et puis, tous ils étaient bien avec le roi, sauf le Mughira ibn Shu'ba, il était impoli avec le Muqawqis. Et puis, quand ils ont fait demi-tour, ils veulent rentrer chez eux, le Muqawqis, il a dit à son entourage, il a dit donner, combler de cadeaux, donner les cadeaux à tous ces 13 hommes, sauf à cet homme-là, le Mughira ibn Shu'ba. Tous ils étaient couverts de cadeaux, tous, sauf le Mughira ibn Shu'ba. Il a fait le trajet de Taïf jusqu'en Égypte et il va revenir et il l'invite alors que ses compagnons, ils ont tous des cadeaux. Et puis il a profité d'une occasion. Ils dormaient ou ils ont bu le vin, selon des versets. Puis il les tua tous, les 13. Il a tué les 13 hommes et il a pris tous leurs affaires, tous leurs cadeaux. Il emmena tout ça à Taïf. Et ça a failli éclater en guerre entre les Bani Malik et les Taïf. Urwa ibn Mas'ud, c'est l'oncle de Shu'ba ibn al-Mughira. Ça y est, ça a failli éclater. Puis Urwa ibn Mas'ud a dit, je paye le prix du sang des 13 hommes. 13 hommes. Je paye le prix du sang de ces 13 hommes, et épargnons la guerre, etc. Shu'ba ibn al-Mughira, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les cadeaux et tout, il a tout emmené à Médine. Et il est rentré voir le professeur Salim, il a dit, j'embrasse l'islam, envoyé d'Allah. Et le professeur Salim, il a dit, ton islam, on l'accepte. Ton islam, on l'accepte. Mais la tromperie, on ne l'accepte pas, tu rends. Tout ça, tu rends ça à leur propriétaire. Et ils ont envoyé tout ça à Taïf. Et il était sincère, Shu'ba ibn al-Mughira, dans son islam, et il est resté avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Urwa ibn Mas'ud, il fait allusion à cette histoire. Et Shu'ba ibn al-Mughira, il a dit, malgré tout, c'est l'envoyé d'Allah, tu ne le touches pas. Et alors, il est resté un instant. Puis Bilal, il a fait l'adhan. Bilal a fait l'adhan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se leva. Urwa en train de regarder, de voir qu'est-ce qui se passe dans le camp et tout. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il alla faire ses ablutions, tous ils s'approchaient vers lui pour prendre les gouttes qui tombent de ses mains, il s'essuie le visage et tout. Quand il crache, il ne tombe pas par terre. Le crachat ne tombe pas par terre, il est pris par un des... Il a dit, qu'est-ce qui se passe? Il n'a rien compris. Quand il, à peine il donne un ordre, ça y est, c'est déjà fait. Quand il parle, tout le monde se tait. Il a été troublé par ce respect que portent les compagnons vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est allé voir le Quraysh. Il a dit, écoutez, j'ai été envoyé comme ambassadeur au Négus. J'ai été envoyé comme ambassadeur au Khosrowès, Kisra, au Kaysar. J'ai vu les rois, beaucoup de rois sur cette terre. Il a dit, jamais je n'ai vu des gens respecter le roi comme les compagnons respectaient Mohammed. Il a dit, ils ne vont pas te lâcher. Si vous le tuez, il a dit, par Allah, si vous le tuez, ils vont tuer leur propre nombre. 1400 hommes, ils vont tuer. Il a dit, ils ne vont pas le livrer comme ça. Il dit, ils vont mieux essayer de faire un acte, un accord, une convention avec lui. Et il vaut mieux que vous faites un pacte avec le prophète. Au moins, dites une chose, c'est que il ne fait pas le pèlerinage cette année, la Umra, il l'a fait l'année prochaine. Bon, la semaine prochaine, bidnillah, on va parler de la suite du pacte de l'Hudaybiyah. وسبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك